petit tuto pour quelques conseils par rapport aux accessoires qui servent à faire voler ces cerfs-volants pour la photographie aérienne ou pour autre chose. Il faut savoir que le grand danger du cerf-volant, ce n'est pas le cerf-volant lui-même, c'est le fil. Et c'est le fil qui peut vous faire très très mal si vous ne portez pas de gants ou si vous n'avez pas une poignée qui est adaptée à la force de votre cerf-volant. Alors j'ai eu l'occasion d'essayer plusieurs types de poignées. Celle-ci est de fabrication chinoise. Eh oui, on n'y coupe pas. Oui, ça serait bien qu'en France, on puisse avoir aussi quelqu'un qui innove et qui fabrique ce type de produit, mais je doute fort qu'il fasse fortune parce que ça ne doit pas être très courant au niveau de commercial. Alors, cette poignée, elle est faite donc en acier, donc elle est un peu lourde certes, mais elle a un gros avantage, c'est qu'elle dispose ici d'un frein à disque. Donc vous voyez ici, on voit très bien le système qui permet donc de pouvoir serrer un disque et vraiment d'avoir une grande efficacité. Lorsque l'on a bloqué le disque, vraiment ça ne peut plus avancer, même avec des forces de traction de 15-20 kg, ça ne bouge plus. Et ici, autre avantage, c'est qu'il y a un cliquet, comme pour la pêche au gros. Voilà, alors pour le débloquer, on va simplement, donc ici, déverrouiller la partie à cliquer. On va bien sûr desserrer le frein, et ensuite là, la bobine va pouvoir se dérouler et pouvoir être arrêtée à tout moment lorsque le cerf-volant prend de la hauteur. Alors pour le retour, eh bien c'est simple, il suffit donc d'inverser le cliquet, de desserrer ici et on entend très bien le cliquet anti-retour. Moi ça fait 3 ans que j'utilise cette poignée et vraiment elle répond à toutes les attentes. Bon, j'étais obligé de faire quelques améliorations au niveau des poignées, bon, qui partaient un peu en vrac, mais bon, j'ai remis des poignées avec du thermorétractable de grosse dimension et ça le fait bien. Donc cette poignée me donne toute satisfaction. Voilà, donc il y en a plusieurs sortes de poignées. Certaines sont en inox et comportent le même système à cliquet et à frein à disque. Et puis il y en a d'autres qui ont des freins à tambour au centre et qui ont un cliquet en réalité qui n'est pas un cliquet, qui est un système de verrouillage par l'extérieur. J'ai eu l'occasion d'en essayer. Il faut pas qu'il y ait du gros vent. Hein. C'est pas une poignée à utiliser dans le sud. Hein. Parce que s'il y a du gros vent et que le cerf-volant tire 10-15 kg, ben on voit le fil se dérouler malgré que le frein donc à tambour soit bloqué à fond. Donc j'émets des doutes sur la durabilité de ce type de produit. Bon, faut savoir que c'est quand même une poignée chère, hein, même si vous l'achetez en France à un importateur, c'est une poignée qui frôle les 200 euros. Hein. Donc c'est quand même un investissement, mais un investissement utile pour la sécurité si vous pratiquez beaucoup la photo aérienne. Gros intérêt également, c'est que dans le retour au sol, donc quand il y a le cerf-volant et il y a une baisse de vent et que le cerf-volant est en train de planer, le gros avantage c'est que vous rentrez facilement 2 à 3 mètres secondes de fil avec cette poignée. Donc ça c'est fort intéressant pour créer ce qu'on appelle un vent relatif et faire en sorte que votre cerf-volant continue à planer, surtout s'il y a des appareils photo suspendus au bout. Donc voilà, donc petite recommandation pour avoir un bon outillage pour le cerf-volant. Alors, je vais aussi vous présenter...